Rien d'envoyer trop les chevaux sur les lignes droites. Par contre, dans les stops, il faut vraiment avoir un bateau qui est vite et qui avance. Donc essaie d'avoir une approche un peu plus handback et créer l'appui dans l'appel avec un appel glissé. Comme ça, dès que tu vas avoir besoin de tracter ton appel, tu auras de l'accroche dans la palle, ça va rebondir tout de suite. Donc là-haut, notamment le premier, c'est d'avoir une approche un peu plus handback. Là, ce que tu fais au milieu, c'est pas mal. Fais gaffe à ta gîte, fais ta plat. Là, il faut essayer de chercher à reprendre tout de suite, à pousser un peu loin pour reprendre la veine tout de suite. Voilà, puis après, c'est du plat. Merci. Il est moins 10, là, une petite dernière. Il est moins 10, une petite dernière. Prenez le temps de récupérer, par contre. Surtout est-ce que vous avez fait ce week-end. Gros passage pour finir. Ah, les appels seulement. Ah, ça rigole pas, c'est bourre cette année. Avec des finales en haut. J'ai essayé de prendre un peu d'accélérer le bateau, mais c'est plus cher derrière. Là-dessus, c'est surtout sur le maintien de l'avancement du bateau dans les stops. Il faut vraiment que tu arrives à faire glisser tes appels. Ouais. Parce que là, à chaque fois, tu passes par une légère, un ralentissement, voire un arrêt dans les stops et tu manges en temps. Ouais. Ça sert à rien d'aller vite, par contre, il ne faut pas s'arrêter. Et toi, des trucs comme l'eau, là, par exemple, le fait de se mettre sur l'avant pour pas que le bateau l'accroche, ça vous sauve la vie. Appel! Oh là là, je vais m'envoler. Bon Baptiste, tu joues aux quilles? Ah, ouais. 50 là? Oh. Heureusement que c'est Simon qui fait la vaisselle ce soir, sinon ça aurait été toi. Hein. Ouais. Et il vous reste un quart d'heure? Ouais. Vous avez le temps d'en faire au moins une? Les problèmes et puis on va essayer de les régler dans la semaine. Et puis ça va nous permettre d'occuper aussi le temps entre midi et 3h. Youhou, c'est trop loin. Stop serré à la verre. La deuxième verre là. Le premier tour à gauche. Ouais, en tout cas oui, il faut pas aller au fond du contre pour ouais. Pas venir. Là, ça mange au niveau du temps. Bah, pas la tienne, ça fait bien, c'est bon. Bah attends, on l'a coupé déjà. Hein? Il a coupé de ça? Bah, je sais pas combien il l'a coupé, j'ai dû la couper. Non mais de toute façon, déjà... Bah déjà, c'est bon, alors. J'ai bien fait de le filmer celui-là. Ah puis ça change! Ouais, ouais bah de toute façon, on bourre, c'est toujours des belles courses. Même quand c'est en bas, déjà... Alors remarque, l'année dernière, la montée, finalement on a eu un niveau de pas mal, c'est pas pire. Hein. Ouais, on se calme, ouais. Et on joue au foot, pieds nus sur la plage. Ben, il n'y avait pas trop d'eau sur le score. Si. Il ne devait pas faire très chaud. Remarque, heureusement qu'il pleut parce qu'il y a le N1 dimanche prochain. Sur les roches, ouais. Bah, hop là. La course régionale la semaine dernière, c'est à peu près. Dans le boulet, ils arrivent à passer à droite. Hop là.
Après, cette pagaie-là, le mérite qu'elles ont, c'est que la plupart, ben maintenant, les inserts sont en carbone, comme Stéphane. Mais au début, les inserts étaient en alu. L'avantage, c'est que tu peux démonter sans flinguer la pagaie. Le carbone, au minimum, tu flingues l'insert. Alors, un insert, on arrive à en avoir gratos, mais il est vendu 15 euros normalement. Alors que les premiers, enfin, c'est récent les inserts en carbone. Avant c'était des inserts en alu. Et l'avantage c'est que tu démontes sans casser l'insert et sans casser la pagaie. Et là après tu peux retailler la longueur du manche. Ouais, t'aurais pu plonger. Un conseil à donner, faut acheter parce qu'on s'est posé la question pour loup pas mal, donc j'aurais tendance, tout va bien, la pagaie Stéphane, enfin tout le monde a ça, les fameux Shiva, ouais. Alors neuf ça vaut très cher, ça vaut 380-400 euros, je sais pas exactement. Ouais. Par contre il y a des occasions, notamment auprès, j'en propose, elle m'en parle et puis je vous filerai le numéro ou j'appellerai. Parce que... Ouais. Non mais faut qu'elle fasse comme nous. Non mais on le sait pas grave ça. Oh, alors je vais m'envoler. Ça se démonte et ça se recoupe. Parce qu'une pagaie à sa taille, écoute là. Alors, il faut qu'à. Bon, je vais enlever le parapluie parce que je vais m'envoler. Ouais. Ah, je vais le fermer, il ne peut plus.